Tolo. Quand le pays était au bord d'une guerre civile, nous avons aidé à stabiliser le pays. On était déjà en train d'accomplir sa mission. La stabilité politique était là, il y avait la stabilité sociale. But we all know that the this epidemic is going to get worse. We have not reached the peak yet. This is only the beginning of this crisis. And if we don't have elections now, when will these elections happen? When the epidemic is even worse than now? On ira ici avec la sécurité des élections. Dans l'ensemble, comment est-ce que vous avez... Tout cela, ça nous permet de dire aujourd'hui que les dispositions prises en conjoint avec la police nationale d'Haïti, la composante militaire et la composante police des Nations Unies permettent d'assurer les élections pour qu'elles puissent se faire dans une ambiance de sérénité. Merci. En effet, c'est un aspect qui nous inquiète.